Clermont. Il y a moins de 15 heures, on ne savait pas si on allait y aller. On était parti pour faire forfait. On a réussi à trouver 2 U18. Le gardien de l'équipe 3, donc on part à 5. On vous montre souvent les bons côtés du football. Quand c'est tout beau, tout rose, mais voilà, hein, des fois il y a des côtés aussi un peu sombres. On a des joueurs qui sont partis en sélection aussi en équipe de France. On a des joueurs qui sont suspendus et puis des joueurs aussi absents. Donc une bonne mayonnaise. On y va pour la beauté du sport, pour montrer qu'il faut se déplacer quand même, jouer le jeu par respect pour l'équipe adverse, par respect pour les autres équipes dans le championnat. Et voilà. Bon les pélos, pour ce match contre l'ouverture, la une ne joue pas, donc les joueurs qui ont joué les deux derniers matchs en une ne peuvent pas jouer. Ça représente une quinzaine de joueurs, dont trois gardiens, le gardien de la une, Marceau et Nico, qui malheureusement a joué seulement 3 secondes, seulement un penalty, il n'a pas touché le ballon, donc ça l'empêche de jouer avec nous. On pensait que ce match devait être reporté, c'était normalement ce qui était prévu. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont prévu autre chose et finalement la veille on a appris que le match allait quand même avoir lieu. Donc voilà, il y a beaucoup d'absents, même moi du coup je suis allé aux Pays-Bas ce week-end là en pensant qu'il n'y avait pas de match. Mais on va s'accrocher, on va le faire à fond, c'est parti, bonne chance. On a du shit, on a des sous, mais pas de nana. Quatorzième journée, championnat R2, on joue contre l'ouverture qui est premier, qui a le même nombre de points que nous avec Annecy. On est 5 joueurs, un gardien, il y a quelques absents, mais on ne s'est pas déplacé pour rien. On s'est déplacé pour gagner. Ok, on n'est pas là pour perdre ou pour accrocher un nul, on est uniquement là pour gagner. Après, on gagne, on perd, on fait nul, ça c'est encore autre chose, d'accord? Eux, ils sont venus aussi pour gagner. On va faire un système de jeu simple, on va faire un bloc bas. Pas bloc médian, bloc bas. Des buts, il y en aura. Vous allez en prendre, mais on va en mettre aussi. Il ne faut rien laisser aujourd'hui, plaisir. De toute façon, on est venu pour ça. Et on est venu pour pas lâcher une miette. On a fait 2 heures de route aller, on va se taper 2 heures de route retour. Là, on est là pour faire du sport, se dépenser jusqu'à la dernière goutte de sueur que vous avez sur le front. Lâchez la dernière goutte. C'est bon? Allez, on va le faire, les mecs. C'est un match un peu particulier, déjà, du fait que le match déjà devait jouer normalement, je crois que c'était au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Il avait été décalé dans un premier temps à cause de la Coupe de France. Et j'imagine que pas mal de joueurs de chez vous aussi ont dû tabler sur le fait qu'il n'y avait pas de journée aujourd'hui pour partir en vacances ou autre. C'est pour ça que j'avais personnellement proposé aussi à Antoine de décaler le match et pouvoir le jouer dans de meilleures conditions, quoi, pour les deux équipes. Parce qu'au-delà d'une première place et d'une montée, c'est aussi l'image du futsal qui est en jeu aussi dans ce championnat, on va dire. Ah vas-y, Walt, c'est ça son problème, t'as vu. Tu l'as déjà mal et tout. Allez, petit bleu, allez. Allez, bleu, allez, allez, encore, allez. Bien joué, Judson, bien joué. Bien joué! Allez, mon tien. Allez, insolite. Brady, je suis pas ton joueur, Brady. Je suis pas ton joueur, Brady. Bien joué! Bien joué, gamin, bien joué. Sur la durée, ça sera dur.
Ouais, tu sais que Antoine, je prends un recul fou. Loris est en train de jouer contre le Portugal et l'Espagne il y a un jour. Ah, c'est très bien ce qu'on fait. On va continuer, forcez-vous à fermer l'axe. Lolo, faut que tu le fasses. Bien joué, gamin. Fais l'effort, fais la faute. Gaucher, à ta droite. Il n'y a pas de communication, il lui dit pas j'ai, il n'y a rien, c'est le néant complet. Bien joué, Théoul. C'est bien ce que vous faites, c'est bien. Franchement, chapeau, c'est bien. Là, ça, par contre, là, ça va être dur. Déjà, première chose, avec Mika, on vous félicite pour votre première, elle est magnifique. Très bien, maintenant, oubliez la première. Là, on est dans un nouveau match. Parce que physiquement, ça va commencer à être dur. Il y en a qui ne sont pas sortis, ça va piquer et eux, ils vont accélérer. On en a des balles. Hein. Sa virgule, il frappe, machin, le gardien la sort, Théoul qui touche le poteau, on en a. Cake, il faut que tu prennes tes responsabilités. On est tous dans la merde. Il faut que tu aies de l'assurance au bout d'un moment. On ne parle même pas de score ou de défaite ou de victoire. Le reste, c'est très bien. Tout le monde sait bien. On sait que c'est dur défensivement. Mais c'est pour vous dire que vous défendez bien parce qu'on ne prend pas de but sur un bloc bas. On ne prend pas de but véritablement. Donc, ça veut dire que notre travail, il est bien fait. C'est bien, continuez. Allez, hein, c'est super ce que vous faites. Va, explose. Va. Bien joué. Oh. Bien joué. Bien, Lolo, bien. Et Loris, ils font un vrai match. Hein. Franchement, ils font un match de haut niveau même. C'est vraiment dur. Franchement. Ouais, protège. Ouais. Vas-y, va. Toi, dommage. C'est bien. Ferme Pitou, plus vite, faut fermer Pitou. Je te dis la vérité, là ça aurait été notre vraie équipe, je pense qu'ils se seraient plus déchirés. Ça aurait été un match de malade mental. Ouais. Il a fait ça avec un problème respiratoire. Il a fait ça avec un problème cardiaque. Je ne peux rien faire à ça avec 2015. Mais ils ont bien joué. C'est bien mon petit, c'est bien les petits. Super, c'est bien les gars, c'est bien. On a fait ce qu'on pouvait, on s'y est tenu jusqu'à la fin, on n'a pas lâché, on s'est pas pris la tête entre nous, malgré tout ce qu'il y avait autour. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Le score, c'est autre chose, on se rattrapera au match retour. Ou dans les autres matchs, vous inquiétez pas, on peut vous applaudir. C'est bien, franchement c'est bien. On a un très bon match, malgré que vous n'avez pas toute votre équipe les gars. Ça, on le sait, je le dis à l'avance comme ça. On a gagné, on garde la victoire et voilà, c'était un très bon match. Ouais, Charles, on attend le match retour, j'espère que vous aurez toute votre équipe. Ça sera un très bon match. On a vu que vous avez quand même une belle équipe, le jeune,
Judson, très bon. Tous sont tous très bons. Hein. Match contre LCQ, une équipe qui vient de Saint-Etienne, donc ça va être un petit derby, hein, Saint-Etienne contre Lyon. Le contexte, il est particulier. Nouveau gymnase, là, on est en train de courir partout parce qu'on ne sait pas où sont les cages. On ne sait pas dans quoi on se lance avec Antoine. C'est l'une des rares fois où on ne sait vraiment pas dans quoi on se lance. On a gagné chez eux au match aller pour ceux qui étaient présents. Équipe qui a beaucoup changé. Cinquième au classement. 4 victoires d'affilée. La défaite qu'ils ont eue la semaine dernière contre Annecy, je la compte pas trop. Ils n'avaient pas de gardien et ils n'avaient absolument pas tous les joueurs que vous avez vus aujourd'hui. Donc attention, soyez vigilants. Défensivement, ce que j'attends de vous, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on va changer un peu notre système de jeu. Vous avez vu, le terrain, il est petit. C'est pas notre terrain. On n'a jamais joué dessus. On s'est jamais entraîné dessus. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Il glisse un peu. Ok, on n'a pas l'habitude. C'est le même profil que Rive de G. On va la jouer différemment. On va pas presser. L'idée, c'est bloc bas. Et les transitions. Qui dit bloc bas, dit transition, on va en avoir. C'est pour ça qu'il y a des joueurs comme toi, comme toi, comme toi. Ok ? La possession, c'est pas leur fort. Laissez-leur la possession, jouez en transition. Par contre, bloc bas, s'il vous plaît, fermez l'axe à chaque fois. Et agressivité, à partir du moment où le ballon il est chez nous, les mecs, les duels. Je vais parler un peu individuellement, ce que j'ai pas l'habitude de faire. D'accord ? Toi, t'as des qualités que personne n'a ici. T'es le seul à avoir ces qualités-là d'explosivité et de rapidité. T'es le seul. T'es une bombe. Par contre, si tu baisses la tête et tu commences à rechigner, je vais te sortir. Aujourd'hui, je t'ai pris parce que j'ai besoin de toi, on a tous besoin de toi. Ok ? Donc ça va le faire. Même si ça passe pas une fois, deux fois, il suffit juste que ça passe une fois, mon petit. Donc, te matrice pas. L'idée, c'est de gagner le match, c'est important. On va arriver sur une fin de saison, on commence à entamer la deuxième partie de la saison. Plus on va continuer, plus ça va être dur. Surtout qu'on a fait deux erreurs, on n'a plus le droit à l'erreur. Mais on n'est plus chassé, on est chasseur. On est à 3 points des deux premiers. Et on a des matchs retour. Le match de l'ouverture, on l'a perdu à l'aller. Mais dans un mois, on le rejoue. Le match de Annecy, c'est le dernier match de la saison. Aujourd'hui, on est seul à jouer. On gagne, on est premier ex aequo avec un match en plus. Tu vas jouer en bonnet ? Si je pouvais jouer en R2 comme ça, je serais trop bien. Il me tire chaud, je suis à l'aise. Mais je crois qu'il faut que tu le donnes à Soulé, non ? On a retrouvé quelques joueurs qui étaient blessés, donc là c'est vrai qu'on l'aborde beaucoup plus positivement, on espère faire un résultat. On vient avec nos cartes et puis on verra ce que ça donne. Ouais, on a notre gardien titulaire là qui est blessé, qui a mal à la cheville, qui s'est fait une entorse depuis déjà 3 semaines. Donc là on est en train de voir, hein, si ça tient, il jouera, ou sinon on a le gardien remplaçant de toute façon. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Tu as vu par rapport à la dernière fois, t'as bien séché. Ah bon, un petit peu, ouais. Ah, il faut, ouais, je pense qu'on se sent bien. Là, depuis, on enchaîne les victoires depuis quelques matchs. Franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et le capitaine, il est de retour aujourd'hui. Ouais. Là, on va dire une petite revanche pour nous. Parce que là, match aller, on a un peu bouffé la feuille. Et là, on va essayer de faire le job. Et voilà, bon match à tout le monde. Et je te laisse avec Martin. Vous marchez, vous trottinez. Les mecs, c'est pas ça un échauffement. C'est un conseil que je vous donne, c'est pas une critique, c'est un conseil. Moi, normalement, un coach principal, je dois avoir un visu sur comment vous vous comportez dans l'échauffement. Je dois pas vous dire gaspiller de mon temps et mon énergie à vous dire non, fais comme ci, non, pas comme ça, allez mieux. Ça, c'est votre rôle. Ça, je fais ça avec des U17, des U15, pas avec des seniors qui jouent en R2 et qui jouent longtemps en R1. Et comme je vous ai dit, les mecs, moi, je vous demande pas de gagner pour moi. C'est pas que je m'en fous, mais je vous demande de gagner pour vous. Je veux juste que mes joueurs soient fiers de leur saison. Ceux qui soient là ou ceux qui soient pas là. Ok ? C'est important. J'y tiens. Normalement, j'ai fait tourner du bon côté la pièce. La pièce, hein ? Manu, un mot avant le match. Nickel. Rentrer les 4 en même temps. Ouais, vous allez rentrer les 4 en même temps, à peu près, tu vois. Vous allez presser direct, ok ? Viens refermer, Manu. Tu veux aller voir... Beaucoup. J'aime beaucoup ou pas ? Non, c'est rien. Oh,
comprends pas comment c'est possible. Là, c'est terrible. Voilà. Allez, bleu, allez. Tous les profils qu'on a, ils correspondent pas à ce terrain. Explosif, rapidité et technique. C'est ça, c'est dans le vrai. Oui, oui, oui. Dommage, bien joué. C'est bien, Louni, c'est bien. La spéciale, Judson, la spéciale. Louni, c'est frappe direct, ça aurait été beau. Ouais, ouais, ouais. Bien joué, Manu. Ils sont à deux déjà. Allez, Manu, allez, allez, allez. Bien joué, Manu. Bien joué, Manu. Bien joué, Manu. Tu n'as pas confiance, Manu. Va, va, Manu, va, va, Louni, va, 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 va maintenant, va. Va, va, Manu. C'est bien, encore, encore, encore. C'est bien, Manu, c'est bien. Dans le dos, Manu, dans le dos. Oui, va, 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 va taper, va. Bien joué, Louni, bien joué. C'est bien, Louni, très bien. Ah, Manu. Allez, Manu. Il a déjà fait deux fautes. Il y a rien, il y a rien. Il y a 2-2 là, c'est ça. 2-2, ouais. Les 4, préparez-vous. Tu fais les 4 ou 2 là? Non, on va faire au compte-goutte, tu vois. Loris, c'est pas ce meneur, dis à Judson qui se met plus haut. Ok, tu lui dis. Hein. Bien, ça super, bien, Yama, ça va payer, ça va payer. Bien joué. Oui, va, va, va. Bien joué, Lolo, bien joué. Va, mon petit, va. Bien joué, Loris, bien joué. Mets-toi pivot, mets-toi pivot. Viens là, viens, bien joué. Canan, viens. Bien joué, Loris. Oh là là. Bien joué, Marceau. Va, Yama, va. Ça colle derrière toi, ça colle. Bien joué, Loris. Bien joué. C'est bien, garçon. Bien joué, encore. Allez bleu, c'est rien bleu, allez, allez. On prend des buts bêtes, hein. Bah, en fait, c'est que des buts en transition qu'on prend. En fait, je crois qu'on a fait changement, faut aller chercher là, non? Non, mais non, t'as 4 fautes. On reste bloc bas, là. Bah oui. Allez, Mathis, mieux. Sans faute, sans faute. Canal, Mathis, prochaine. Manu, viens. Attention, les ballons en l'air. Je sens pivot. Là, ah, pas de nappe, les mecs. Allez, ma canne, là, allez, là. Hop, hop. Dommage, pas de chance. Hein. Là, il a pas de chance. C'est bien, Louni, c'est bien. Va, 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 va! Mathis, prends! Judson! Non, attends, 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 Manu, vas-y! Vas-y! Bien joué! Va, 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 va! Bien joué, Manu! Bien joué! T'as des qualités que personne n'a ici. C'est la cheville gauche, comme Mickaël l'a dit, il arrête rien avec les jambes. Si tu frappes à terre, il a tout le temps but. Bien joué, Louni. Bravo, Manu, bien joué. Bien joué, Manu. Bien, c'est bien, Louni, encore, c'est bien. Bien joué, Manu. Bien joué.
joué Manu. Bien joué Manu. Voilà, Judson, toi. Voilà, Manu referme. Reviens, reviens, Lounis, reviens. Flo Perrier, prochaine. Ah, mais qu'est-ce que c'est mal défendu. Ah, me siffle rien. C'est abusé. Franchement, le mec, c'est très compliqué pour lui. Hein. Franchement, il se fait bouger. Il se fait vraiment bouger. Hein. Changement Mathis Judson, ok. On reste sur du déplacement à 3, ok. Et on essaie de trouver le pivot fixe. Par contre, les mecs, quand on trouve, c'est toujours le porteur du ballon qui suit l'action. Mais ça suffit pas, il faut deux solutions. Le gardien, il est blessé à la cheville gauche. Donc vous verrez, quand vous frappez à terre à gauche, il mettra pas le pied, il a peur. Sur son côté gauche, vous à votre droite. Il mettra pas le pied. Donc allez-y encore. Ah, pas ici. Qu'est-ce qu'on se fait peur dans cette zone-là. Putain, les mecs, sérieux. Allez, c'est rien, allez. Allez, petit bleu, allez. 4-4, 2 minutes 20. Non mais là il a fait appel contre appel, c'est du pain béni, tu le remets sur son droit, il croise, c'est fini. Ça s'appelle gong en même temps que la faute. Si c'est pas un pénalty, le PSG prend. Allez mec, t'as le brassard. Hein. Allez, faut pas tirer dans les ballons comme ça. Allez. Il soulève un petit détail. On dit il reste 5 secondes. Ton protège tibia, mets-le après. Prends l'info sur le chrono parce que peut-être que ton contrôle tu le fais avant. Le coup franc il est une seconde avant, ça nous fait un coup franc. Et sur le coup franc, on peut marquer après. Ton protège tibia après soulé. Là, c'est une action, fallait y aller direct. Vous avez vu que le terrain, il est compliqué. Déjà, les buts qu'on prend, franchement, c'est gag. Je vous le dis, c'est complètement gag. Je vous le dis, on met pas trop le pied. Eux, ils nous rentrent dedans, vraiment. Par contre, pour faire des fautes bêtes, ah ça, putain, qu'est-ce qu'on est bon. Mais vous êtes fort, hein. Vous êtes très fort. Hein. Montez à 4 fautes en même pas 10 minutes. Je vous tire mon chapeau, vous êtes très fort. Je pense qu'il n'y a pas meilleur que vous dans la région. On prend un but au deuxième poteau, mais déjà, c'est Lunaire qui l'arrive à frapper croisé. Et de deux, c'est Lunaire qui est quelqu'un au deuxième poteau. Ah, c'est un but d'enfant, ça. On est parti chercher une fois. Je crois que c'était dans les 5-6 premières minutes. On s'est fait trouer sur un 1-2 d'école. On s'est fait trouer. On va faire, comme je vous ai dit, on va faire bloc bas. Le ballon, il vient là. Comme ça, pas de problème. Là, il peut jouer que là. Et là, la passe, c'est un génie s'il la trouve. Et même s'il la trouve ici, hop, hop, bloc équipe, compact, et vous fermez l'axe, le cœur, il doit être fermé. Par contre, les mecs, quand on récupère ça, là, offensivement, il faut se projeter après. On prend que des buts en transition, mais nous, par contre, en transition, on plane. Hein. Défensivement, on dort trop. Je vous dis, on dort trop. Ça part dans notre dos, derrière, on referme pas, on fait rien. On est là, on est devant, on se retourne, on est juste en train d'espérer que notre pote récupère le ballon. Oh, faut revenir comme des bombes, là.
Et le pivot, faut être solide parce que le monsieur là-bas, il y va avec les coups. Si vous restez droit sur lui comme ça, il a juste à te pousser. Si tu te mets droit sur moi, mets-toi droit sur moi. Moi, je fais juste ça déjà, t'avances. Par contre, mets ton poids à l'arrière. Voilà, comme ça. À la limite, je le tire, il tombe. S'il tombe, il va siffler. Mais si vous restez droit comme ça, bah, le mec, il a juste un peu à prendre un peu d'élan. Hop, il te fait comme ça. Déjà, ça y est, c'est fini. Il faut se nourrir de leurs erreurs. Par contre, il faut pas qu'ils aient d'angle de frappe. Hey, bleu, allez, tout de suite. Bien joué. Ouais, mon Lumis, ouais, t'as gagné, il a avantage. Bien joué. Restez comme ça. Et referme au-dessus. Voilà. Manu, très bien défendu. Très, très bien. Excellent. En fait, ça aurait été sur un autre terrain, je t'aurais dit, on va le presser. Parce qu'il est fixe. Mais là ça, tu peux pas presser sur un terrain comme ça. Oh non! Oh là là! C'est rien, Lunis. Encore, suivez. Ouais, Manu, explose! Pète! Bien joué, Manu! Ah, dommage. Allez, les bleus, c'est bien. Debout, Judson, debout! C'est bien, mon lapin, c'est bien! Putain, j'ai envie d'aller presser, vous en pensez quoi? Celui-là, t'as que des flèches, là. Justement. Ouais, il faut pas presser, alors, pour moi. Oui, mais d'autant plus, ouais. Si putain, bloque pas, je vais faire des transitions de... Oui, Yama! Ah oh là là! Reviens, Loris, reviens! Va, Soulé, va! Ah, Soulé aussi. Pas joué, Soulé, t'es rendu! Allez, hein! D'un moment, si on perd, il va falloir aller presser les mecs. On n'est pas chaud. Trouvez le bon moment. Là, il aurait fait mal. Hein. Lunis, viens. Soulé, prochaine! Là, ils vont vouloir faire rentrer le costaud derrière. En fait, ils le font que quand il y a des pivots. Okay. C'est très intelligent. Ah, Manu, allez. Allez, mon petit, hein. Là, il faut que tu dégaines. Hein. Faut pas que tu te poses de questions. Hein. Il, je te jure, il les tient bien. Bien joué. Il est rentré là. Super, Mathieu. Oh, ouais. Bien joué, Mathis! Pas, t'es pas! Bien joué! Bien joué, Manu! Vraiment, Manu! Pas de poche, oui. Pas de poche! Mon lapin, j'enfonce, tu vois! C'est fort! C'est bien, Manu, c'est la première! Lucien, viens! Tu vas jouer m'énerve, mais faut que tu libères vite! Lunis, faut presser maintenant! Ouais! Faut presser, quand on a le ballon, presser! Serre Lolo, serre gauche à ta droite! Voilà, c'est ta droite qui m'apporte! Bien joué! Bien joué, les gars, c'est bien! Allez, Manu, mieux! Allez! Bien joué! Là on y va, nous on y va! Ouais mon petit, va! C'est bien! Chut! Viens! On est en full transition là, on ne mettrait pas un Soulé à la place de Lunis? Ah, à la place de Mathis alors? Ouais. À la place de Mathis, ouais, ok. Ah, Soulé, viens vite. Marceau.
est pressé, il faut qu'on donne tout là. Il faut qu'on donne tout. Tous ceux qui sont sur le terrain, vous pressez fort. Vous avez compris? Fort, 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 fort. Ah, et fort, Judson, contre fort. On se replie à Mach 15. Merci cousin, merci. Ouais. Merci cousin. Bien joué! Dommage! C'est qu'il les sort le gardien. Putain. À terre, là, à terre. Avancez, avancez, vous avancez, allez! Allez! Non, il n'y a pas de pression, là, il faut des joueurs qui pressent. Là. T'es gazé, c'est normal, c'est normal, t'es gazé. Qu'est-ce que c'est mal défendu. Saison terminée. Saison terminée. On s'est fait trouer sur un 1-2 d'école. On s'est fait trouer. Alors on perd là. Ah ouais, on perd. Le mec, il reste 3 minutes, ok, c'est faisable. Faut juste y aller, faut prendre des risques et faut y aller. Faut presser comme des chiens, c'est ce qui nous a manqué. Faut y croire. Si vous y croyez pas, vous jouez en n'étant pas sûr, ça va pas le faire. Si ça on est des aides, on va se marrer dans toute la soirée. On n'a pas envie de passer un mauvais dimanche, vas-y, non, porte le c***, on joue, on gagne. Oh Louis, dès que t'as une ouverture de frappe, tire, ok. Avance, avance, Jude, avance, avance. Tanan, Tanan, mets ça. On le fait ou pas? C'est comme, de toute façon, nul ou perdu, c'est pareil pour moi. On a 2 minutes 20. Bah, comme tu veux. Nul ou perdu, c'est pareil. Donc autant tenter un truc. Tanan. Tanan, faut revenir fort. Faut revenir fort, Tanan. Tu restes à notre gauche, Tanan. Oh, il y a penalty tous les jours là. C'est terrible. Ouais, t'as un recul. Matisse. Hé, c'est bon. Pour moi, nul ou perdre, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est la même chose pour moi. Avancez. Avance, fais jouer. Ouais, y'a rien, joue. Bien joué, gamin, bien joué. T'as la main, bien vu. Ah, c'est oh, faut se projeter en transition, faut se projeter, faut pas se poser de questions. Vas-y. Il reste combien de temps là? 35. Lounis, tout de suite serré. Attends. Loris. Viens. Tu connais une combi au pôle ou pas? Oui, va leur dire.
Il y a une combi là. Il en connaît une au pote, je lui ai dit mets là. C'est pas grave, c'est tenté, c'est ça. Passe devant, passe devant. Reste combien de temps? 15 secondes. Oh, serré à fond, serré à fond. Loulou va chercher une faute. Loulou va chercher une faute. On en frappe. Surtout qu'on a fait deux erreurs, on n'a plus le droit à l'erreur. Faut y croire. Si vous y croyez pas, vous jouez en n'étant pas sûr, ça va pas le faire. La saison terminée. Saison terminée. Ya Rabbi, c'est quoi ce truc de fou? Ah, comment il l'a enlevé? Impeccable, on perd pas. Merci mon petit, merci putain. Mathis, magnifique. Magnifique, putain. Fais pas ça, moi. Ce truc de fou. Vamos. Il y a écrit quoi dans le maillot? Il y a écrit la dalle. La dalle, prochain épisode, venez. Rendez-vous, abonnez-vous, vous allez clair. La passe à la fin. Je sais pas, je le vois devant moi. Mais t'es mieux placé que moi. Johnson, à la dernière minute, il faut être lucide. Parce que moi, dans ma tête, je disais Madjer. Oh, il croque une action, vous la verrez dans la vidéo. Et vous verrez, j'ai dit quoi? Merci cousin. Cécile là-bas, c'est merci cousin. Alors déjà, moi je tiens à dire que j'étais avec la 3 ces derniers temps parce que j'ai eu un moment de mou où j'ai eu du moins bien. Aujourd'hui, Antoine il m'a fait confiance et m'a remis dans le groupe. Je tenais vraiment à faire un gros match, c'est ce qui s'est passé. Et pour dire la petite anecdote, je savais deux minutes avant que quand j'allais marquer, j'allais enlever mon maillot. C'est un truc de fou, je sais, parce que je l'avais jamais fait, ça m'était jamais arrivé de marquer sur le buzzer. On va pas se leurrer, on a eu très très chaud, ça fait du bien parce qu'on recolle à ex-aequo avec un match de plus et j'espère qu'on continuera comme ça. C'était intensif, à la fin on s'est fait un peu peur, mais après j'ai vu que l'Unice était mieux placé que moi, je lui ai donné et puis voilà, et ça a fait but. Oui, je me suis bien fait intégrer par tout le monde. Donc moi aussi, ça m'a fait du bien et je joue plus en confiance maintenant. Franchement, sacré match des deux équipes. Une super belle équipe de PLCQ, franchement, qui nous a mis beaucoup en difficulté. Fallait avoir un sacré mental. Franchement, les joueurs, ils ont eu un mental d'acier. Fallait pas lâcher. Il restait peut-être deux minutes, je crois. On était menés. On a fait du port clair à la fin. C'était un choix voulu. On a beaucoup travaillé. On l'a mis en place, notamment sur le dernier match à Clermont Métropole. Et ça a payé, on en met deux et on n'en encaisse pas, donc c'est ce qui nous fait gagner. Magnifique. Une victoire importante sur le fil, on se disait que s'il y avait match nul ou défaite, je pense que pareil. On pliait la montée, on pouvait plus monter. Ouais, là on reste dans le coup, on revient à égalité de points avec Annecy et l'ouverture qui ont un match en moins, qui ont la coupe à jouer. S'il y a une bonne nouvelle à la fin de saison, on se souviendra de ce but. Ouais. Je pense que c'est un but qui va compter. Ce but-là, il peut coûter extrêmement cher. Surtout qu'on marque sur le buzzer. Moi, ça fait 12 ans que je fais du futsal, ça m'est jamais arrivé. De gagner sur le buzzer, ça m'est jamais arrivé. Et l'Unis, t'as hésité à le prendre jusqu'à la dernière seconde. Il était en 3. Il est pas venu pendant pas mal de temps d'entraînement. Ouais. Il a fait une masterclass. Content pour lui, il mérite. On espère que ça va continuer. Le retour de Pio. Ça y est, ouais, Pio qui purge sa suspension. C'était le dernier match, il avait pris 3 matchs. Et retour la semaine prochaine contre La Rochette, faudrait être là. Faudrait être là, sacré déplacement. Et je ne serai pas là, mon monsieur. Je vous l'annonce, c'est une petite exclue. Je vais au Maroc pour potentiellement essayer de voir si on peut filmer la canne du futsal. Donc peut-être qu'il y aura la canne sur pied carré. Voilà, à bientôt. Allez.